Eh oui, je m'appelle Alexandre Sandler et je suis le chef de l'orchestre du Conservatoire d'Asnières. Je suis Jean-Jacques Galbion, le directeur du Conservatoire d'Asnières. À partir du moment où on a eu ce projet Bolide, l'idée c'était donc de pouvoir s'associer avec un orchestre d'élèves d'un conservatoire. Et donc j'ai pris l'initiative de contacter Jean-Jacques Galbion, que j'ai eu immédiatement au téléphone et qui a très rapidement été intéressé par un projet cinématographique. Et très rapidement, le projet Bolide nous semblait intéressant pour une première approche des choses. Déjà, nous avions l'intention au conservatoire de consacrer une année à une thématique qui serait musique et cinéma. Et donc, l'idée d'un enregistrement, c'était quelque chose qui allait couronner cette année de succès. Alors, c'était une première pour notre conservatoire, on n'avait eu jamais un tel projet. Et donc, tout de suite, j'ai été intéressé par cette idée. Et ensuite, je l'ai proposé à Alejandro, qui, là aussi, tout de suite répondu. Et j'étais tout de suite intéressé à la musique de Baptiste. D'ailleurs, ça nous a demandé beaucoup de travail. Beaucoup de travail, et on est vraiment content pour la fin de l'enregistrement de ce week-end. Peut-être que c'était techniquement difficile, quand on a vu pas la première fois la partition. Mais après, il y a l'envie de jouer les quatre qui étaient bons et le résultat, il est là. Je suis sûr que mercredi, quand je trouverai l'orchestre pour déjà préparer un concert qu'on a à Berlin, ça ne va pas être la même orchestre. On a vraiment consolidé des liens musicaux et humains.